Salut à tous. Ben, j'espère que tout va bien pour vous. Du coup, bienvenue encore une fois sur cette chaîne. Et surtout, alors cette vidéo va pouvoir, on va traiter, on va parler un peu de ce qui concerne la vie parisienne, la vie dans les embouteillages. Et du coup, on s'est un peu orienté vis-à-vis du travail pour pouvoir, bon, voilà. Générer un peu d'argent, du flou, comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Et pour ça, donc, on travaille. Et bienvenue dans le métro boulot dodo. Donc, on y va tout de suite. C'est parti. Alors nous y voilà. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Du coup, je fais un petit tour du côté du bois de Vincennes. Alors, ouais, c'est plutôt tranquille, hein. Bon, après c'est vrai qu'il a plu. C'est un peu la gadoue un peu partout. Ça fait du bien d'être un peu dans la nature, même si vous voyez un peu la ville derrière. Du coup, je suis un peu dans la nature. Parce que je passe dans le coin et pour se garer, c'est un peu la croix et la bannière, comme on dit. Et donc, du coup, j'ai décidé de me garer là où est-ce que c'était gratuit. Donc, vous devez forcément le savoir pour ceux qui habitent dans le coin. Voilà, Vincennes, le bois de Vincennes appartient à Paris 2e. Et donc, du coup, je ne sais pourquoi. Les places près du bois sont complètement gratuites. Donc voilà, j'en ai profité, j'en profite. Et je vous en fais profiter. Bon, un peu de. Voilà, c'est la grisaille, vous l'avez compris. C'est la grosse grisaille. Et voilà, c'est la nature. Bon, un peu de voiture de ce côté-ci, de ce côté-là, il y a un peu de verdure. Mais sinon, en général, c'est la gadoue. Bon, c'est pas vraiment la gadoue. C'est juste, juste un peu mouillé. Et voilà, on s'y fait. Et regardez le nombre de véhicules qu'il y a. Donc, du coup, on peut se garer là tranquillement. Un petit passage du côté de la rivière aussi. Une mini rivière. Vous voyez, un petit peu. Voilà, c'est une mini rivière, on va dire. Et du coup, arrivé dans le véhicule très bientôt. Quasi à peu près sûr de pas se faire embarquer sa voiture parce que c'est très tendance. Sa voiture, son véhicule, n'importe lequel, hein. Du coup, voilà, on peut se garer tranquillos sans avoir de soucis. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup fait de vidéos à l'intérieur. On sortait presque pas. Et du coup, pourquoi pas faire une petite vidéo? C'est moi parce que je suis en train d'éviter les petites flaques d'eau, les grosses, les moyennes. Donc du coup, on a décidé, pourquoi pas faire une vidéo à l'extérieur. Donc c'est pas un super beau temps, vous le savez déjà. Du coup, je vous fais part aussi d'une sorte d'anecdote, je pense que vous en doutez. Vu qu'on est sur la région parisienne, on en a profité pour pouvoir justement travailler, renflouer les caisses, comme on dit. Et donc, voilà, donc on fait des petits travaux, des petits, on
bah voilà, du coup, on travaille. Et ça nous permet d'avoir plus de rentrée d'argent. Parce que vous vous en doutez bien, ce n'est pas par préférence que nous sommes sous ce temps-là. Donc, du coup, c'est pas par désir plutôt que nous sommes sous ce temps-là. Et donc, du coup, voilà quoi, il fait assez frais, mais ça va encore. Bon, il y a un moment où est-ce que ça gèle, là ça gèle pas du tout. C'est supportable, on va dire. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien, je sais pas si le son va sortir bien, mais une chose est sûre, c'est que je parle très très fort parce qu'il y a du vent. Et voilà, vu que je suis avec mon kit main libre, donc la qualité n'est pas top, et le portable encore pire. Donc, on fait comme on peut, on essaie d'arriver au véhicule. Après, on va faire un petit tour dans les alentours de Paris. Et là, je vois déjà le véhicule. Ce qui est super top. Donc bien sûr, vous en doutez, mais je viens de le voir un instant. Il y a des gens qui vivent dans leur véhicule, mais ce ne sont pas des véhicules aménagés, apparemment. Et voilà quoi, c'est là c'est vraiment en mode je n'ai pas les moyens. Et donc ben voilà, une petite pensée à toutes ces personnes là qui sont plus ou moins à la rue dans le terme qui sont démunis. Regardez là-bas derrière moi, je sais pas si vous voyez dans le fond. Il y a des sortes d'habitations inventées, pas inventées, mais des habitations faites sur le tas. Enfin, je disais donc il y en a qui habitent en fourgon qui ne sont pas aménagés au bord de la route, et il y a ceux qui habitent dans le bois en faisant des constructions assez ben, simples, quoi, assez simplistes. Et je ne blague personne, et moi j'aime tout ce qui est construction et vivre en autonomie avec ses propres moyens surtout. Après bon, ben, chacun le voit à son échelle, et là ben, j'admire quand même parce qu'il fait assez froid. Je sais qu'il y a la méthode des poêles à bois, les poêles roquettes aussi. Bon ben voilà, c'est un peu la même chose, voilà, pas la roquette, ça dépend, comment on le fait. Et je trouve que c'est quand même une bonne chose, malgré qu'ils soient perçus comme des personnes démunies. Je trouve que ils s'en sortent bien mieux que beaucoup d'autres. Alors il faut le dire, il y a des personnes qui ne sont pas habituées à ce type de évasion, on va dire, et puis certaines personnes n'ont pas eu le choix, d'autres ont eu le choix et ont préféré d'être hors système. Et voilà, je félicite ça parce que beaucoup de gens ont pendant pas mal de temps critiqué justement cette vie hors système, mais de plus en plus ils constatent que c'est ce qu'il fallait réaliser. Donc je vous invite à vous abonner et surtout appuyer sur la cloche de notification et partager ces vidéos que vous pourrez trouver sur notre chaîne à vos amis pour suivre nos expériences. Donc je vous dis à très vite, ne changez pas de chaîne.